moitié retardant parce qu'il me dit trop fait mal. Ah, tu me fais poser la même question là, genre, mais pourquoi Tilito commence avec une lunettes de soleil, talons, robe, bien chic, chemise, tout ça là. Au fait, aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Ouais. Journée, allons dire, un petit peu triste aussi en même temps. Oui, journée happy, mais triste aussi en même temps. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais... Si vous avez regardé le news show de vendredi dernier, en tout cas, vous êtes déjà au courant. Comment dire, j'ai eu des propositions à l'étranger, on va dire. Tu fais ce dilo, ça veut dire ce dilo, voilà. Et je quitte mon île natale, je quitte Maurice pour de nouvelles aventures à l'étranger. Oui. Sur ce, Belala, One TV aussi. Je vais continuer à collaborer hein, dans d'autres circonstances, mais c'est juste que je ne serai plus au pays. Donc j'ai dit bye bye dans le news show. Tu as baissé une petite lame, tout. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit. J'ai dit bye bye dans le news show. Et ben aujourd'hui, c'est ma dernière dans Un petit détour. Oui, exact. Et Estelle a concocté quelque chose de très spécial aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, la journée un peu partout dans Maurice. Une bouse dans beaucoup d'endroits, on va dire. Une bien roulée aussi. Beaucoup roulé. Et c'est pas un programme comme les autres. Je l'ai préparé avec beaucoup d'amour, etc. On a essayé de mettre beaucoup de choses pour que vous êtes tous contents de cette dernière qui sera juste différente de nos autres émissions, etc. Beaucoup d'émotions. Là, on fait causer, on dirait. Oui, moi aussi, je suis un petit peu triste. Oui, Mais non. It's time for celebration. Vous avez envie qu'on ait kiffé une habille comme ça. Pourquoi notre look est un peu chic-chic, etc. Nous se dit. Mais. Vous regardez cette dernière émission d'Attil et tout. Et vous allez comprendre. Allez, bonne émission! Alors, pour notre dernière d'Attil et tout, on va pas pleurer tout de suite. Ne pleure pas, ramasse l'homme, allez. Ramasse l'homme, ramasse l'émotion. pour boucler la boucle, on est back to Skydive Mauritius. Je rappelle quelques années de cela, on avait commencé l'émission, notre première activité ici, et ça nous a porté marie chance, parce que au fur et à mesure des années, ben, nous gagnons encore plus de followers, encore plus de fans, beaucoup de personnes qui nous suivent de par le monde. Et beaucoup de belles activités qu'on suivit de skydive. Et mon cours rappelle Christophe quand il se fait téléphoner pour dire moi, on va commencer avec le skydive. Hein, où j'étais genre, oh, on va aller. Allez, mon Dieu Seigneur, c'est tout. On va pas rire, mais non. Et là, on vient d'entendre le son de l'avion qui décolle parce qu'il y a des clients qui vont faire le skydive. Ouais. Limite anxiety, comme si genre, je me rappelle utilisément dans l'avion, c'est hier. Toi, mais c'est beaucoup... anxiety, moi, je me dis, je veux refaire. Mais à faire au moins une fois dans sa vie. Mais nous, Marie, content qu'il nous l'a, on est de retour. Pas pour sauter de l'avion aujourd'hui, pas pour le skydive. Ouais. On a prévu d'aller tester l'ULM pour vous aujourd'hui. Bah, ULM, c'est un petit avion. Tu rentres là-dedans, tu fais un petit léto, toi, le guetteur, tu vas voir les lagons, il y a plein de choses à regarder. Ouais. Et on est là pour rencontrer l'équipe. Et première fois qu'ils nous fait ça ici, donc assez contente de terminer, de faire la dernière d'un petit léto ici où on avait commencé. Il y a beaucoup d'émotions, je pars. Alors, on est là pour rencontrer Edouard aujourd'hui. Bonjour Edouard, comment ça Bonjour. Va Bienvenue. Merci. Ben, merci à vous. Ben, ravi d'être de retour déjà. Oh, ouais. Vous êtes toujours les bienvenus de toute façon ici. Le son me stresse, le son de ce que j'entends ici, les avions. Stress. Ouais, j'ai peur de tout moi Christophe, en permanence. Mais bon, pas grave. Allez, bon, Edouard, la dernière fois, oui, vous êtes jeté dans le vide. Aujourd'hui, on va aller voler. On va aller voir les lagons, on va aller voir Maurice autrement, on va aller voir les beautés de, notre pays. Allez, top. Donc la seule chose, il va falloir nous aider. Vous aider? Nos petits avions sont rangés, sont bien parqués au chaud, il va falloir les sortir. Oh, ça faisait une visite de travail avant de nous faire l'activité là. Allez, on y va. Tes petits joujoux, il y en a deux.
Il y en a deux, oui, tout à fait. On en a deux ici. Est-ce que vous donnez des noms à vos avions ou pas du tout? Alors oui, ils ont des noms. Donc ils sont même immatriculés comme une voiture. Donc on a le 3BWWD. Ouais. Donc c'est son nom. Et WWO. Voilà. Donc en aviation, on utilise, donc ça c'est l'immatriculation. Après, ils ont un nom, c'est un Savannah. Ouais. Et l'autre, c'est un Impala. Savannah et Impala. Voilà leur petit nom. J'ai une autre petite question. Qu'est-ce que ça veut dire, ULM? Oui, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ULM? ULM, qui était ça, nous comprend, avion, mais dans quel sens? Alors, c'est une autre famille d'avions. Ce sont des ultra légers motorisés. Ok. Donc, ils n'ont pas les mêmes réglementations que les avions comme sur Skydive ou sur les autres avions qu'on voit. Donc, ils sont extrêmement légers et c'est fait donc en deux places seulement. Et c'est fait pour vraiment se balader à de petites vitesses et profiter vraiment du voyage. Des ULM, il n'y en a pas des millions sur Maurice, il y en a quelques-uns. Ici, sur notre base ici, donc nous on en a deux ici pour le business et il y en a d'autres sur des privés, ce sont des privés qui viennent voler. Mais on espère que ça se développe et que ce secteur-là se développe un peu à Maurice. Donc du coup, est-ce que vous avez déjà un itinéraire distinct ou bien c'est dépendant du client où il a envie de partir? Comment ça se passe? Alors nous on vend l'activité en temps. Donc ça peut être du 20 minutes, 30 minutes, etc. Donc on va en temps, donc suivant le temps qu'on a, on va faire un parcours un petit peu qui va changer suivant le temps. Parce que bien sûr, en 20 minutes, on ne peut pas aller jusqu'au Morne, par exemple. Oui, c'est sûr. Donc on va adapter vraiment notre parcours en fonction du temps que le client va prendre. Ok. Est-ce qu'il nous paraît pour cet avion, nettoyer, ou je ne sais pas ce qu'il doit rappeler. Nettoyer quoi? Bon, et faire quoi? Faire un café après? On va faire le construire. Allez, ben, on va commencer à pousser le truc. Voilà, de l'essence, il faut pédaler pour faire tourner l'hélice. Pas mal. Bon, nous les brins paraît. Allez, parfait. On va mettre ça dehors et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Oh damn! Smooth like butter. pour ceux et celles qui se souviennent pas ou bien qui n'ont pas vu la vidéo. Qui n'avaient pas encore subscribe aussi peut-être à notre chaîne. Ou bien vous êtes juste paresseux. check bonnes images là. Ça, c'était 3 ans de cela. Le premier émission. Ouais. Oh mon Dieu, allez go.
voit, Christophe est en train de causer avec l'équipe de Skydive Mauritius derrière. Moi, je fais comment dire, mon mari stressé, genre, ça me fait peur, moi, puis dans l'avion, etc. J'ai peur. C'est faux, ok. Parce que je sais que moi, je vais pas voler aujourd'hui. C'est une surprise pour Christophe, parce que lui, c'est vraiment sa dernière émission. Du coup, il va voler tout seul aujourd'hui. On va le voir rentrer dans l'avion, partir, voler, vivre son expérience, etc. Ça, c'est uniquement pour lui, mais il sait pas encore. C'était quand même sympa de pousser les avions. Il y a des avions, tous les deux marées cocasses, vraiment marées colorées, etc. Il y a des avions, c'était vrai, Christophe. Oui. Mais tu vas voler tout seul aujourd'hui. C'est-à-dire sans pilote. Tu vas conduire toi-même, tu vas piloter toi-même ton avion, et puis voilà, après, ce qui arrive, arrive, ok? Non, ça y est. Mais c'est la dernière d'un tilet, on ne va pas viser toi après. C'est ok, ça va, peu importe ce qui arrive. Whatever the outcome, we're good with it. Non, c'est faux. En fait, on avait dit qu'on allait faire à deux, et j'ai dit à Dieu, mais j'ai marre de peur, etc. C'est faux. On avait déjà prévu que tu fasses ça tout seul, et que tu profites de l'activité tout seul, à le guet-apens, justement, tout ban joli paysage, Maurice, profiter, peut-être que c'est ta dernière sortie en avion avant de quitter le pays, je sais pas moi, mais Aïna, mais va faire tout seul. Et t'as aimé, si, joli cadeau. Et, oh, toute la journée, il y aura plein de petits trucs là, allez. C'est vrai? Oui. Et t'as aimé, si, ben je vais m'organiser alors. Il part tout seul alors avec son avion. Alors, GoPro, oui, prêt, GoPro en main, mais c'est pour ce joli cadeau là. Et ça, merci à moi d'avoir organisé effectivement. Non, c'est faux. C'est l'équipe qui a organisé pour toi aujourd'hui, donc Aïda. Non, si, maintenant tu le tiens. Mais tu, je sais pas comment dire, tu le détales au moins. Oui, on dirait. Et juste à côté, maintenant, saut de mon shot, la personne la plus importante est là, juste derrière moi, et c'est Gaëtan. Et c'est lui qui sera le pilote. Et on est prêt ? On est prêt. Ben on y va. Je suis marie exaltée, je suis super excitée. Tu es marie content ? Oui. Et ça, que vous marie profitez aussi. Alors, enjoy, filmez un tas là. Hein. Oui, filmez, je vais filmer. Filmez un tas pour que nous on puisse voir un peu ce que tu as vu aussi. Allez-vous-en, on va allumer le truc là. Vous allez décoller là ? Oui, allez, poté. Allez, va, profite. Toi aussi, casse-toi. Va-t'en. Prop clear. Let's go. We'll be right back.
Marie est là. Je suis un peu jalouse maintenant. Qui fait les super amateurs de la ficelle? Moi aussi je veux. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire là. Bien, on va revoir Christophe, on va voir. Bon, déjà Christophe, il a le sourire jusqu'ici là, hein. Il est marié. Donc me penser à Belen bien passé. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan. Alors merci beaucoup. Merci Gaëtan d'avoir ramené Christophe. Alors c'est sauf. Attends, moi je tiens un point sur la tête. Est-ce que c'était bonne? C'était bonne, it's underrated de dire que c'était bonne. Vous êtes... Vous allez voir. Maintenant je comprends... Mon micro est allumé. Maintenant je comprends... Je comprends les oiseaux en fait. Parce que tu voles et tu planes, ouais, etc. Ouais, ouais. Et vous pouvez voir des images... Vous pouvez voir... Après, je peux éteindre ça. Vous pouvez voir des images de l'île Maurice... d'un drone ou whatever. Mais c'est pas la même c'est chose. C'est pas la même chose. Mais absolument pas. Et c'est une expérience vraiment, vraiment à vivre au moins une fois dans votre vie. Est-ce que tu as eu un peu peur quand même ou pas du tout? C'était juste que du kiff. C'est le kiff quand tu arrives. Ouais. Mais tu sais, tu as un petit trac. Tu as un petit. Qui n'est normal. Je n'ai pas dit peur. Je n'ai pas dit peur parce que si je dis peur, ce sont que des professionnels qui viennent ici. Mais oui, tu n'as pas peur. J'ai parlé de sécurité un petit peu plus tôt. Exactement. En plus. Ouais. Ils savent exactement ce qu'ils font. Peut-être un petit trac, l'équerre bat un peu dans le mollet. Mais tu tiens la confiance en Gaëtan qui est à côté de toi. Petit papillon dans le ventre. Mais Gaëtan, c'est le chef et everything went smoothly. Quelque chose à refaire un million de fois. Ayoube, allez, Béchalem, next time, nous essayez, nous ici, ça coûte là. Next time, ouais, comme si pour une année, next time. Et il n'y aura pas de next time. En tout cas, merci à toute l'équipe ici. Ils étaient vraiment formidables. Ouais, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont expliqué plein de choses aussi. Et le fait qu'ils aient une récif à toi voler pour ta dernière, mais c'était magique quoi. Marie top. Merci à toute l'équipe de Island Wings Mauritius et merci à Estelle, merci à tout le monde, Franfran tout. Pour Ban, c'est qui a envie, vive l'expérience qui Christophe in vive, c'est une expérience unique. Mais pas hésiter, prends contact avec l'équipe de Skydive Mauritius sur islandwingsmauritius.com. Ils sont également sur Facebook, sur Instagram, vous y voyez quelques vidéos sur YouTube également. C'est vraiment une expérience top. On a demandé aussi les prix. Franchement, pour l'ULM, là, je trouvais que c'était quand même très abordable. Pour les Mauriciens, ouais. C'est Marie top. Si tu as envie qu'on prie, téléphonez, get in touch with them. Ouais, expérience unique à vivre. Franchement, c'est. Comment nous dire dans un petit léto, dernière fois, nous pouvons dire ça, ça vous dit là. C'est au moins une fois dans toute la vie. Vous êtes la vie. Écoute, allez-y pour ceux qui ont envie de sauter des pieds en avion. Try skydive pour ceux qui ont envie dans un avion qui a un peu plus peur peut-être que de sauter. Ben voilà, l'ULM, c'est pour vous. Ben, un petit léto, continuez. Mais continuez, ben, tu as faim là, mon temps te vend. Je meurs de faim. On va tout de suite manger dans un endroit très très spécial qui n'est pas si loin que ça. Allez, suivez. Allez, on y va. Christophe fait semblant de rire parce qu'avant sa chute là, il a boudé, il a marché tout seul. Il était genre ouais, allez, on commence à tourner maintenant, on nous fait chute là. Pourquoi tu es en colère? Explique aux gens. Parce que il est presque 10 heures et j'ai rien mangé. Mais c'est de ta faute, tu n'as pas mangé ce matin, tu n'as pas pris ton déjeuner de la maison. Oui, c'est ma faute. C'est ta faute. Où tu m'emmènes, Estelle? Ça paraît bien joli en tout cas. Hein? Ouais, ça paraît marie joli. On est au comptoir, donc il fait partie du groupe Constance. Et c'est un ancien bâtiment en fait qui est rétapé. Okay. En boulangerie, pâtisserie, ils proposent plein de belles choses. On n'est jamais venu manger ici, c'est notre première au comptoir. Ben, nous vont une parée quoi. Allez, let's go. Allez, let's go. Thank you.
Comtois, c'est également une épicerie en fait, où il y a pas mal de belles choses. Ben là, je vois qu'il y a confiture orange curcuma et confiture de papaye et ananas. Genre in-house, hein, in-house. Et de ce côté, vous avez du miel de leur jardin de chez Constance. Le miel Constance, un produit frais, local, mauricien, fair in-house. C'est ça aussi une petite épicerie qui propose des choses pas comme les autres. Il y a plein de belles choses à découvrir, plein de trucs à grignoter et qu'à se poser pour déjeuner, pour le café, etc. Enfin, c'est bizarre qu'il m'aime ça. Pose ta question, où est Christophe? Il est aux toilettes. je l'ai fait un petit peu mal élevé là. J'ai vu qu'il y avait des mangues séchées, donc dried mango. Et Manda est là avec sa pince. Là, elle m'a dit, ok, tu peux goûter. Manda, on peut goûter là. Tu es sûre? Viens, viens, viens. Allez, Manda va me servir. Oh là là. Ça l'a un peu goûté? Bien sûr. Comment est-ce bon ça? C'est ça, c'est sans sucre? Mais comment c'est aussi sucré que ça? Vous êtes un manier? C'est quoi? Nous peut faire mal élevé, nous peut goûter. Tu sais qu'il y en a dans le bocal. C'est pas bon, mal. Manda. J'allais dire Dunen Christophe, mais Chalem a partagé pour lui. Goûte ça, tu me dis. C'est quoi? Dried mango. Mmh, il n'y a pas de sucre dedans là. Non. Si. Comment? Qui manque de sucre? C'est manqué de marinier. Et qu'ils ont fait sécher en fait, c'est ça? Super good. Merci Manda. Est-ce qu'on peut pas tirer à la maison avec ça maintenant? Je ne sais pas. Déjà pris place oui. Dans ce magnifique endroit, à savoir qu'il y a une belle terrasse aussi avec plein de chaises et de tables dehors. Et on a choisi cet endroit-là parce qu'on voulait que ça donne vraiment le côté authentique. Et qui fait nous plaisir authentique, vous êtes sa base là. C'est pas un ancien bâtiment normal qui serait tapé par le groupe Constance, etc. C'est une vieille boutique chinoise qui nous ouvre en 1870. What? Oui, 1870. C'était une vieille boutique chinoise qui existait ben, pendant des années et des années. Uh-huh. Et le groupe Constance a repris maintenant. Et c'est devenu ben, le comptoir. Donc pâtisserie, incroyable. Boulangerie, épicerie, etc. Donc c'est un endroit avec beaucoup d'histoire. On voit ça. Et joliment habillé aussi par le groupe. Hein. Franchement, la déco est juste canon. Est-ce qu'il te bégaye faim? Yes. Bon, est-ce qu'il te bégaye nez? Non, je n'aurais pas dîné, mais j'ai un petit peu faim. Tu n'as pas pris temps. Il est très en colère maintenant, il a faim. Ok. Ouais, un petit peu. Vous autres, regardez-moi ça. Ce sera l'anniversaire de Chalem demain. Ça veut dire quand l'émission va sauter, ce sera son anniversaire. Ce sera son anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter un coup? Non, on a faim. D'ailleurs. Aïe, ok. Franchement, là, senti confiture. La marque on a même vu qu'il y avait des confitures, de la confiture de banane d'ailleurs aussi. Et c'est le prix est vraiment, ouais, vraiment, vraiment abordable. Alors? I'm over the moon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous a ramené quelque chose à table. C'est une bouteille de kombucha au fruit rouge. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le kombucha pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, c'est des fruits, c'est du jus de fruits fermenté avec aussi des graines de kéfir. Des graines de kéfir, voilà. C'est bon pour la santé. Apparemment, c'est quelque chose oui. qui a un goût assez particulier. Ça tu aimes, ça tu aimes pas. Ouais, ça tu aimes pas. Moi j'ai déjà goûté, j'aime bien.
les garçons, je sais pas. Ça, mais c'est pas une tour de boire dans l'émission, du coup, ben, on va essayer. Hein. Et ici, on vous propose différents flavors. Allons voir comment ça met. Il y a quoi dedans, Estelle? Alors, je vois qu'il y a de l'avocat, il y a de la roquette, bacon, tomate, couvert en morceaux, et il y avait un œuf dur en haut. Donc... Et des capres aussi, non? Oui, il y avait des capres aussi. La mousin, trafique moulin, mais même là, hein, là direct. Non. Le pain, là, c'est pas un pain normal, là, c'est un pain brun. Avec des graines de sésame, avec d'autres graines ici, là. Le pain même est bon. Qu'est-ce que tu as dit à quoi l'intérieur du boudin? Poulet. Poulet. Ouais, poulet. Ouais, c'est poulet. Oui. Comment te trouver, ne pas perdre de perdre du poids, parce qu'il veut de toi quiche, crêpe, fourrée. Mais il avait une... Chalem avait une salade avec des fraises dedans. Oui. S'il te plaît. Pas en, pas au oh, Enjimon n'importe aux histoires là. Pas Enjimon. Même pas proposé. Et où l'anniversaire, elle a grandi, et puis là où la paix. Au contraire, ça allait profiter toi de l'anniversaire comme tu profites pour J'en ai mangé mon dernier toast, mais Estelle a décidé de voler mon toast. Chut, ça a ouvert mon appétit, j'ai faim encore, etc. Et on a envie de goûter un truc qu'on voit au loin là-bas. Là. Non, ça va, c'est good. On est prêt à goûter le kombucha. Et est-ce qu'on peut avoir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas? On a des gâteaux coco, etc. Un des ouais, ça aurait été top. Toi, tu veux pas? Allez, ben trois alors. Trois de chaque. Je suis en train de badigeonner mon pain avec cette confiture à l'orange et au curcuma qui est juste magnifiquement bon. Mon toast. Wow. Mon merci. Toast. Ah, merci. Ça, c'est les toffees artisanales qui sont préparés par la maison de Marushka Cooks. Ah, mais que je connais en plus Marushka. Le gâteau coco, c'est dans la façon artisanale. Toujours préparé par Marushka. Moi, je connais Marushka. Le crêpe que vous avez dégusté, ça vient de la maison de Cooks. Oh. Les épinards, les quiches que vous avez goûtées, ça aussi, ça vient de... Ok. Ah, mais j'adore. Merci. Marushka, en fait, c'est une super cuisinière. Elle a son business depuis quelques années déjà, donc ouais. C'est Cooks. Et elle fait, par exemple, des plats, si tu veux, à la maison, si tu reçois des mariages, etc. Okay. Et tout ce qu'elle fait est juste super bon. Allez, moi, stop en N pendant qu'il me finit mon... Petit toast qui veut coca et Christophe. C'est pas ton toast, c'est mon toast. Merci. Alors? Comment bon? It's so good, surprenant. Dès qu'il a ouvert la bouteille, tous les ingrédients qui étaient à the bottom of the bottle sont slightly going up. Déjà le son, on a entendu pop. Gorgeous, so good. Regardez ce gâteau coco là. Ça n'a rien à voir avec le gâteau coco normal. Hein. Et le petit teuf, il fait maison artisanal. Qu'est-ce que tu as dit là? J'ai rien dit. Et prends-y ça avec moi. J'ai rien dit. Aïe, je m'assois, on me laisse. On veut un chin? On veut un chin? Allez, un chin. Bon anniversaire, mon garçon. Ouais, bon anniversaire, Chalem. All the best. T'as envie de pleurer, hein? C'est bien. Ok. Oh, tu l'as pas. Ah oui, ça va. Moi, j'aime bien. Je vois pas qui va détester ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût. Tu sais, c'est un goût assez particulier parce qu'effectivement, les fruits ont fermenté. Et il y a des gens qui n'aiment pas ce goût-là, en fait. Qui se disent, non, ça, c'est pas pour moi. En même temps, on a pris celui qui est le plus sucré. On a eu blueberries, donc Nietti. Mais c'est 100% naturel, ça. Hein? 100% naturel. Il y a d'autres flavors, comme Christophe l'a mentionné un petit peu plus tôt. Mais il y a un on côté, a là. Le... Celui-là, c'est quoi? Fruits rouges? Fruits rouges. Mais c'est très bon, moi je trouve que c'est It's très really bon. Good. Ouais.
Et vous, c'est une boisson, c'est pas une boisson gazeuse, non, hein, c'est des gaz. En fait, c'est naturel. C'est la fermentation. Voilà. Et c'est bon pour la santé. Ah. Maintenant, je suis de bonne humeur, vous autres. Le sourire est devenu. Non, mais Arnaud, tu as bien mangé? J'ai marie bien mangé, c'est très très bon. Je... Non, il n'y a pas. Dommage, pour pas tenir la fraise, moi. Mais ça aurait été. Parfait si tu manges une fraise, mais. Mais de camarades, pas d'audace avec toi. Ouais, mais sinon, vraiment bon, tu vois la qualité. Et surtout la quantité. Oui, surtout la quantité, la quantité. Effectivement. En plus, le comptoir, je pas. Oh, yo! C'est ma nourriture, tu peux pas l'envie manger. Tu veux la moitié? Non, laisse, Christophe, c'est bon. Trop plein, n'est pas une guerre, je vais manger tout seul. Juste là, tes fraises. Quelle belle façon de terminer ce petit déj un peu spécial. Oui. Merci au groupe Constance qui nous a reçus. Merci à l'équipe du comptoir. Si gentil et souriant. Tout le monde, super gentil. On a eu un superbe accueil. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le comptoir, je ne vais pas faire rapide de toute façon, c'est sur la route. Oui. Et je vous trouve, il y en a man la porte rouge, man la fenêtre rouge, etc. Et en pierre, c'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir si vous ne connaissez pas. C'est ouvert depuis 2 ans d'ailleurs. Ouais. Donc, ben, ceux qui peuvent passer dans la région, et ben, venez ici, vous allez adorer. Merci pour cette belle découverte, Estelle. Donc, franchement, top. Merci. Oh. Bon, nous, là, on n'est pas encore fini, nous allons aller à Stéphane. Vrai? Eh, hey, mais tu me manges un coup. Au moins, tu n'as pas dit comme si tu dormais loin de ma plaque, etc. C'est déjà bien. Ouais. Allez, mais tu l'es tout continué. Où tu... Enfin, je sais très bien où tu m'as emmené, mais dire que tu as... Ouais, voilà. Bon, là, nous arrivons dans la place Belmont, parce que notre prochaine destination, c'est pas très loin à Belmont même, mais nous pas connaît que ça. Du coup, nous piatons location. Et bien, nous avons un peu sans papier, ou soit la plage, ou soit côte pirogue, je sais pas moi. Attends, ça, vous avez pas vu Estelle, un petit peu plus tôt, dire... On est déjà venu là, non? Je dis quand? Dis-moi, ici même, il y a des vaches sur la plage. C'était pas du tout. Pas ici, ça d'eau. Je comprends bien qu'il m'a mis la sens l'orientation du tout. Pourquoi ça fait pour un rappel? Je ne sais pas. Vous êtes venu voir ça, je trouve ça trop top. Le Rotarac Club of Flak. Ils mettent de quoi à manger Pour les oiseaux. Bad Feeders Project. Oh, you see. That's really, cute. Really, really cute. You 500 mètres away. Et hey, papa amène sa caméra là, brutal comme ça. Alors, après avoir attendu, finalement, on a eu le location. On a eu le location. Qu'est-ce qu'on fait? On part à la plage ou bien on part directement d'en bas? Mais, que je aller. C'est une dernière tileto. Non, juste à la plage, un coup de 10 secondes après la noix. Allez. 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 S'il te plaît. Ça est né, là, tu as fait grimace. Non. Hein? Il a fait, pas vrai, je t'allais. Et tout le temps dans un moment là, et celle vient sur les deux. Ça fait grave qu'il y a un truc qui t'aisait nous ça. C'est les deux. Les deux. J'ai entendu. Tu venais avec l'âge. 3, 2, 1. Mon père, c'est un grec qui fait nous pas la même maillot. Bonjour, maman. J'ai nom de maillot. Tu as mis ton maillot? Pas ma maillot, non, mon maillot. Ça va être ton maillot, t'as envie. Ma maillot, non. Ton slip, je sais pas, qu'est-ce que tu as. String. Boxer, string. Oh. Ah, ok. Moi, j'ai pas ramené en me disant, mais le programme est déjà assez rempli, nous pas naser. Mais à Stella qui nous loue la place avec tennis, jean, nous fait regretter. Maintenant, c'est voilà, regrets. Est-ce que tu as vu ça, Greg, qui te va pour révisiter de bande basse comme ça avec nous? C'est pas possible, on va pas faire l'émission là, qui est bon. Qui t'est pas arrêté la place. Vous pas arrêté à la place. Non, on est précisé avec nous. Avec nous. Oh non. Quoi est la vérité? Un petit peu.
En fait, c'est à nous. À cause de mauvais gars de Molinelle parce qu'il m'a fait griller les putains de la lande. Nous tout, en fait, comme si nous bien attendu sa réponse là. Et même si t'es fait cause menti, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud que. Durant What? Toute la journée, t'es fait cause menti, t'es pour sagre. Moi, voilà. Est vrai, moi extra ça. Quand ça, tu fais la main pelée, hein, qui fait cause en coup d'écoute. Comment ça s'appelle déjà, comment tu t'appelles? Estelle. Estelle. Ouais. Non, non. Mon étoilal. Tu te rappelles déjà plus comment on s'appelle en fait, c'est ça. C'est Allez, ouais, ouais. Allez, direction Loge de Noé, qui est un refuge pour animaux qui se trouve à 500 mètres d'ici. On y va tout de suite. Utile et tout, peut continuer un peu partout. Oui, un peu partout. Vraiment, littéralement, un peu partout, on dit. Et là, Estelle, on est sur une propriété de Constance. Exactement. Et derrière nous, enfin, avant qu'il me dise quoi que ce soit, bientôt, on va aller voir les animaux. On va aller voir les animaux, exactement. Malheureusement, Noémie Barragan ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais il y a une brief, ce ban l'équipe qui ne paraît pas qu'il y ait nous. Il y a une tasse d'animaux qui nous pourra guetter. Donc, c'est l'équipe de Horse Pro qui va être avec nous aujourd'hui. Et là, nous marie impressionnée parce que nous ne pouvons pas attendre du tout. Non. Nous rouler, nous mini. Quand nous commandons nous rentrer, on voit des ruines, on dit ouais, c'est joli. C'est joli, etc. J'adore les ruines parce que tu sais, ouais. ça a l'histoire, etc. Et là, on nous dit c'est une ancienne prison. C'est qu'il y en a derrière nous là, c'est une ancienne prison et c'est protégé justement par la loi. Et c'est un ancien monument. Mais quand on gate size prison là, c'est choquant quoi, c'est vraiment petit. Une cellule is like that big. Ouais, et c'était à l'époque de l'esclavage, ouais. etc. Ils utilisaient ça à l'époque. On a vu, il y a une ancienne cuisine devant. Bref, la cour est magnifique et majestueuse. On espère qu'on pourra vous montrer un peu plus d'images ouais. dans la zone d'équipe. Allez, on y va. Allez. Alors, j'ai une petite rectification. Loge de Noé, en fait, c'est la fondation de Noémie Barragan, justement, qui se trouve à Gros Caillou. Et là, on est chez Horse Pro, et où tu as toute l'équipe qui est là, etc. Noémie ne peut pas être avec nous, comme je l'ai mentionné, mais... C'est un refuge animalier où tu as beaucoup d'animaux. D'ailleurs, nous avons Eman Séval devant nous. Mmh. On a quelqu'un de l'équipe qui va nous expliquer un petit peu le projet, depuis quand se là, qui se faire ici. Et c'est Lucas qui nous attend de l'autre côté. On va le voir. Allez, on y va. Bonjour Lucas. Bonjour. Salut, comment tu vas? Tu vas bien? Bien, correct. Écoute Lucas, nous on est ravis d'être là déjà. Bienvenue. Première fois à Nouvine là, la okay. Cola Marisoli de wow. Anne. Salut toi. Comment il s'appelle lui? Easy Lover. Easy Lover. Ouais. Easy Lover. Easy Lover, sa boule en fait avec ouais. laquelle il peut jouer. Mmh, parce qu'il s'ennuie un peu dans le box tout seul. Ouais, il a son petit wrecking ball. Ah c'est cool, ça c'est la première fois qu'on voit ça. Pourtant on a visité beaucoup d'écuries dans l'émission. Hein. Marie Top, okay. Dis-nous un petit peu, Horse Pro Limited c'est quoi? Horse Pro, alors on existe depuis 7 ans maintenant à Maurice. C'est un refuge animalier pour les animaux, surtout les chevaux. Et ces chevaux-là sont les chevaux qui ont été maltraités avant, dans d'autres pays et aussi à Maurice. Okay. Et nous maintenant, on leur offre une deuxième vie comme si. Ok. Et vous existez depuis quand? Depuis 2016. Ça fait 7 ans maintenant qu'on est quand même. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je sais, j'ai déjà vu sur les réseaux par exemple, vous accueillez des enfants des fois. C'est ouvert à tout le monde? On fait des baptêmes poney. Ah, baptêmes Des baptêmes poney avec un certificat après. Après, on fait des mariages, des cours d'équitation et aussi des, la fauconnerie, comme vous avez vu avec Arès. Quels animaux qui tuent? Parce que là, tu peux marcher une bête au séval, une faucon, etc. Qui les autres animaux? On a des perroquets, ouais. un cochon, un sanglier, ouais. des chèvres okay. et aussi un dromadaire, exactement. How random! Marie random, ça! Comment tout ce groupe-là se retrouve ensemble? Tu sais, genre un cochon, des chèvres, ouais, etc. Aussi un âne aussi. Il y a aussi un âne? Oui, exactement. Comment tu m'as appelé là? Alors lui, ça s'appelle Poséidon, vous allez le voir après. Ok. Poséidon, allez top. Et combien d'immunes occupe justement sa fondation? On est 5 ou 6. C'est ah ouais, tout. 5 ou 6. Bon, on n'a pas beaucoup d'animaux aussi. Ouais, c'est un peu plus la famille. Ok. Et ouais, 5 ou 6 qui occupent les chevaux et les animaux. Allez. Mais est-ce qu'il nous a fait un petit détour ensemble avec toi, oui, te montrer nous un peu? Allez. Allez top. Allez, laisse pas le toucher. Elle veut voir son papa là. Oui, c'est Lucas, le papa de Easy Lover. Voilà, c'est son cheval. Il se ressemble. Mais les autres, ils veulent des câlins maintenant. Lui, c'est Vinci, le plus gentil à l'écurie. Oh, Hugo. C'est le plus gentil. C'est le plus gentil, c'est le chouchou des cavaliers ici. Regarde, regarde la cheveux. Magnifique.
Vous pouvez sentir mon cheveu bien sec à côté de ce cheval-là. Je me dis, ah, ce prix est plus joli que pour moi. Vous avez vu un peu plus tôt, on est petit vaut Dinky. Celui qui a les yeux bleus, là. Ouais. Son enfant. C'est l'enfant de Dinky, qui a 6 mois. Malou femelle. Mal, il s'appelle comment? Malakai. Malakai a 6 mois, donc c'est pas un poney, c'est un petit cheval. Hein. Ah, on peut le toucher aussi. Ouais. Salut Malakai. Bonjour. C'est un petit cheval. Regarde ça. Vous devez venir voir Philippe. Au début, t'as l'impression, mais pas aucun cheval ici, parce que tu vas plutôt auquel là, t'es fait dépasser. Mais qu'est-ce que ça? C'est sa taille à maturité, là? Ouais, c'est ça. Oh, regarde le dromadaire qui te regarde genre, moi... Où ça? Moi, je suis là. Vous voulez pas me voir? Si tu veux dire, n'ajustez pas votre téléviseur, vous autres, hein. Ne vous posez pas la question. Ce cheval-là est bizarre. c'est pas un cheval. C'est Chekmet, qui veut dire la reine du désert, s'il te plaît. Wow. Attention, hey, on se la pète. Et c'est le seul dromadaire qui est sur place. Mais guettez que moi, il est impressionnant. J'ai peur de m'approcher, en fait. Moi aussi. Non? Et se tenait de mort, alors sur les deux. Avec c'est potier. Vrai? Oui, il y a une potière. Bonjour. Et il est en train de faire pipi en même temps. Il est content de te voir, Estelle. C'est vrai, il est en train de faire pipi en même temps. Oh my God! C'est un dromadaire qui a été sauvé d'un sacrifice, en fait. Oh. Ça se fait... Ah non, vaut mieux ne pas dire quoi que ce soit. Ouais. Genre, ah, il voulait qu'il fait mal. Ouais, c'est fait ça, mal. Mais en tout cas, super travail de l'équipe de Host Pro, justement, qui prend le temps de s'occuper de ces animaux qui étaient de base peut-être des animaux en danger ou... Peut-être promis à une mort soudaine, quoi, immédiate. Ben, franchement, bravo. On a un truc à dire qui nous a expliqué. Host Pro est ouvert, en fait, tous les jours, c'est ça? Tous les jours, c'est ouvert gratuitement. Il faut juste ramener des carottes et des pommes pour les chevaux. Venez voir les animaux, etc. Bien sûr, si vous voulez faire une balade à cheval, etc., vous devez payer. Mais just to come and see the animals, so you can come. Vous ramenez vos carottes, vous ramenez vos pommes. Et vous venez avec vos enfants. Et voilà. Et vous venez vous rencontrez l'équipe. Je trouve ça génial. Moi aussi, je trouve ça vraiment top. J'ai envie de voir les faucons. Venez voir. Nous sommes à présent avec Catherine, qui est un animal très impressionnant et imposant avec elle. Pendant quelques secondes, je me suis dit, tu as dit Catherine, qui est un animal bien imposant. Non, qui a un animal impressionnant. C'est pas le faucon qui s'appelle, c'est pas ça qui s'appelle Catherine là, c'est la dame. Bonjour Catherine, ça va? Ça va, oui, aussi. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est comme oiseau? Et on dit fauconnerie, c'est ça? Mais est-ce que c'est un faucon? Non, c'est une buse de harisse. En fait, c'est la famille des rapaces. Ok. Okay. Ah, voilà. Donc c'est un rapace. C'est un rapace. Okay. Ouais. Il y en a d'autres à Maurice. Non, il n'y a que celui-là à Maurice. C'est le seul. C'est le seul qu'il y a. Ok. Est-ce que c'est dangereux pour l'humain? Non. Pas forcément. Non. Il faut juste faire attention à ses pattes. Ok. Voilà. Il a de longues griffes. Ouais, je vois ça. Ouais. Et il mange quoi, vu que c'est un rapace? Il mange des rats, il mange quoi? Oui, il mange des souris, du poulet. Donc c'est pratique du coup. Aucune souris ici, c'est sûr. Chez Host Pro, il n'y a personne. Hein. Là, du coup, on va vous faire un spectacle avec Lucas de Vol à Vol. C'est vrai, avec, oui. Marie Top. Voilà, on va aller derrière au niveau de la prison et comme ça, on vous fait le spectacle. Allez on y va. Allez. On y va. Allez, top. Alors, là, vous êtes apparemment à Arès. Va faire un petit spectacle. De Vol à Vol. Oui, ensemble avec Lucas et... Et Catherine. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai déjà vu en vrai, j'ai déjà vu Noémie faire. Et c'est hyper impressionnant. Et c'est juste magique parce que quand tu toi, habitues à la qualité des oiseaux, bah non. C'est le seul, ouais. Yes. Waouh, trop bien. There you go. Vas-y.
Vous voulez essayer? Non, j'ai trop peur. Non, c'est le don, hein. Merci. Tu veux y aller, toi? Allez, je sais pas. Là, en fait, on fait une protection pour pas que si d'un coup, il va continuer à voler, il vient sur nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qui part? Manish va se faire tuer. Non, c'est faux. Manish va réceptionner Arès. Regardez ça. Allez, ça tourne. Manish stress ou pas? Allez. L'arrive. Wow, c'est trop bien. Allô? Trop beau. Il a mangé quelque chose dans sa main. C'est marrant, c'est impressionnant. Fou, hein? Mais Manish était très calme. C'était cool ou pas? Ouais. Est-ce que c'est lourd? Dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de... Déjà, alors, pour savoir, tu portes toujours des gants, n'est-ce pas? Parce qu'il a de grandes griffes. Comment c'était de réceptionner Arès, justement? Ça va, c'est quand même... En termes de poids, c'est quand même un petit chat. C'est quand même un petit chat? Un gros chat, ouais. Salut Arès! Oh, t'es trop mignon, beau toi! Trop... Et franchement, c'est assez impressionnant à voir en vrai. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est mais travailler génial. Avec au départ, c'est impressionnant aussi. Ouais. Je suppose, ouais. Mais justement, on l'a vu partir seul toi un peu plus tôt. Oui. Mais il va jamais. Non, il va jamais. Non. Il va jamais partir. Non. C'est vrai. Ouais, ouais. Pourquoi ça, hein? Ben, il sait qu'ici, il a son manger. Ah. On s'occupe bien de lui. Ah, ok. Il okay. manque de rien, en fait. Ok. Tu te rappelles, c'est comme le Kestrel. Oui, non mais il n'était pas là lui. Ah ouais, c'était avec Jimmy Gassel et je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, on a vu. Tu n'étais pas là, Christophe. Ah, le jour où je me suis fait remplacer, c'est ça? Merci. C'est exactement ça. Ben, mais c'est à l'équipe. Vous êtes, on vient de nous dire... Un truc trop chou. Trop mignon, une histoire d'amour trop cute. Vous connaissez dans Shrek, justement, le dessin animé, ben l'âne, il aime le dragon. Oui. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Oui. Et ben ici, tu as l'âne qui aime le dromadaire. Ce sont deux amoureux, vous autres. Ils restent ensemble, tous, oui. dans le même box. Damn, c'est trop mignon. L'amour n'est jamais impossible, tu vois, voilà, tout est possible. Voilà. T'es encore content que ça t'a envie, content. Exact. Voilà. Ben, en fait, je te rappelle quand Lucial visite Safari Adventures. On n'avait pas eu l'occasion de monter sur un dromadaire, ni de voir les dromadaires, je sais pas parce qu'il y avait trop de boue. Et ben voilà, aujourd'hui on arrive à voir ça. Marito. Alors, ça fait quel effet d'être en haut? Top. Est-ce que c'est dur au bas ou bien c'est mou là? Ça écrase tout ce qu'il y a, il ah a dit. Ah ouais? Oh. Et bien sûr, là, tu as le dromadaire qui mange en même temps, donc... C'est une façon de motiver. Profite un petit peu, ouais. J'arrive pas à croire que c'est un animal qui devait être sacrifié, en fait. Ça me fend le cœur. Ouais, en me disant, mais regarde comme elle est magnifique, là, et que she didn't deserve that, définitivement. Donc, merci à l'équipe de Host Pro d'avoir rescue le dromadaire qui est là. Et continuez à prendre faire, soin, exactement. Surtout. C'est trop beau! Comment il s'appelle? Poséidon. Et mais Poséidon est trop beau et c'est lui le copain de Madame la dromadaire. C'est trop mignon, regarde ça! Mais là, il fait ça parce qu'il elle est content. Elle se roule pour se gratter, ouais. Aïe, yo, Poséidon! Poséidon, ce fourrure paraît bien luisant. Curly. Non, curly. Curly luisant. Bien propre, bien joli. On peut toucher? Salut Poséidon. Bonjour. Ah, c'est toi le copain là. Coucou. Oh, zo bébé. Le représentant de l'amour impossible. Oui. Oh. C'est joli ce que tu viens de dire. C'est vrai, représentant de l'amour impossible, Poséidon, voilà.
Mais c'est la close pour dire qu'il nous finit que tu as aujourd'hui. Et on voulait remercier vraiment l'équipe qui a été très chaleureuse, qui nous a accueillis avec un grand sourire. Et vous, et là, c'est là que je te connais, vous autres. Si vous avez envie, venez, venez trouver des animaux. C'est gratuit. Ramenez des petites carottes, ramenez des petites pommes. C'est gratuit. Venez voir les animaux. Et là, en plus, là, nous, malheureusement, nous avons un programme assez chargé. Nous devons aller. Mais là, il arrive là pour qu'ils se bloquent tout le monde, pour qu'ils aient gambadé un peu. Mais si ça, tu peux m'arrêter. Mais nous, on doit bouger. Mais après, on peut pas tout vous montrer. Ah oui, il faut que vous, vous veniez ici, là, et qu'ils aient profité, nous, dans Belmont, toujours. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe sur la page Facebook Host Pro Limited Mauritius. Yes. Et on va essayer de voir si on peut afficher aussi un numéro. Ouais. Qu'ils aient connaît, comment dire, qui s'en a besoin de contacter. Venez emmener vos enfants. C'est top, top, top. C'est une fondation. Ils aident les animaux. Donc, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Allez, Mitsi Leto, continuez. Allez! Que tu es arrivé? Non, beau jeu de route, Estelle. À flac. Estelle dit qui a l'argent pour acheter confit pour moi? Mais parce que la voiture n'est pas là, mon bon bonnet est loin. Retoupez ça, donc. Moi, je n'ai pas mon pot de moi. Oui, comme par hasard, il n'a pas son portefeuille. Allez, regarde ce que tu veux manger. Estelle a envie de manger un confit. Il y a un gentil monsieur qui veut vendre confit. Il est au cocum, il est au zanana. Aïe, il a bien un dit. Patate chinoise? Patates chinoises. Oui, cocombe. Et puis salade mix. Mmh. Est-ce qu'il me gagne un mélange salade mix avec ton pizza aussi? Oui. Possible? Bien sûr, oui. Eh, ton sauce! Mais Christophe, il est riche, donc. Il finit, on dit que c'est contre ce petit bouffé. Ah oui. Assez là. Mmh. Voilà, vous stiquez votre sang, mais tout à l'heure là. Vous l'avez que? Vous l'avez? Estelle. Et Christophe, et Manus, et Chalet. Aïe, 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 monsieur. C'est vrai que ça va. Ça va, non, moi, ça va. Manus. Non, ça va. Manus. Moi, moi, un bout d'autre, un petit bout d'autre. Combien? Un petit bout d'autre. Combien ça fait? 75. Ah, mais prends-la. Il n'a pas un seul billet. Ça, c'est qui gagne? Mais... Vous connaissez Christophe qui n'aste avec ses sous. Ouais, mais arrête. Mais l'étipédia, l'étipédia n'est pas en ville. Monsieur, là, il finit à aller acheter. Hein. Arrête de faire ça, même moi qui n'ai acheté mon casque, ça. Mais c'est pas pour toi. Bon appétit. Mais c'est pas pour toi. Mon casque, ça. Non, attends, tout. Soit il dit non, il ne peut pas gagner fin, nous, etc. Non, si c'est vrai, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, mais prends. Prends et goûte ça, bilan, bilan. C'est vrai que c'est très bon. Mais goûte. Guette un coup de l'équerre, Estelle, là. L'équerre, Estelle. Il peut gagner une affaire pour nous, là. Mon pays pour lui. Tu penses qu'il prend 4 pics pour nous tous? Non, il prend un seul pic pour lui capable de servir lui tout seul. C'est monsieur-là qui me demande un seul pic. Ah, c'est pas ton faute, ça, c'est son faute, ça. C'est pas votre faute, ok? Faut pas penser. Que tu peux gagner. Et vous êtes Soko, 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 Soko! Ah là là! C'est un des trucs qui va nous manquer aussi, ça, dans un petit détour, quand nous vîmes aussi, nous n'avons pas dit qu'il va klaxonner. Mais c'est Christophe! Et là, nous vîmes ce truc, un petit détour, etc. Bon, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a tout un plan, apparemment, Estelle a prévu, là. Tout un programme. Et je ne fais qu'apprendre quelque chose. Je ne fais qu'apprendre quelque chose. Estelle me dit, comme par hasard, est-ce que tu as des vêtements chics dans ta voiture? Je me fous un vêtement chic dans mon loto. C'est faux, il n'y a pas fait raconter l'histoire là, comment il était. Vous l'avez dit, mais ça, si vous avez dit, est-ce qu'il te cap amène un joli linge, s'il te plaît, un bien chic, tu sais, genre costard et tout? Mais tu veux tout mes sas là. Mais après c'est Martin me dit ah, c'est maintenant que j'écoute ton truc mais j'ai pas emmené. Dis la vérité. C'est vrai, c'est ça. Donc du coup, j'ai pas ramené. Elle a ramené ce joli vêtement, ce joli vêtement. Maintenant moi je dois aller chercher des vêtements, je dois aller mais acheter des vêtements. Flac, là, flac c'est l'endroit Marissa. Que tu gagnes Marie joli shopping. Me laisse-toi aller, arrode une petite chemise, etc. Allez, okay. Pendant ce temps-là, vous êtes, moi, je vais me faire belle dans un endroit bien particulier. Nick, suive-moi. Allez, Christophe, va chercher. Estelle, attends. Tu prends un cadeau, là. Bonjour tout le monde. On te confie, matelot. En fait, je vous explique. Allez, à tout de suite. À tout de suite, Christophe. Bonjour. Christophe, allez. Pécasse les reins.
Du coup, je me planifie pour amener Christophe pour la dernière, dans l'endroit bien spécial, dans Grand B. Ouais, nous pouvons faire tous les tours de Maurice aujourd'hui, là, Rivière du Rempart, Belmort, Plaque. Nous pouvons aller nous après. Et là, je vais me faire belle. Il revient. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai combien de minutes? J'aurais dit 30 max. 30? Non, quand je dis max, ça c'est vraiment max. Ah, ok. Comme si tu vois. Okay. Dans 30 minutes, nous pouvons aller. Quitte ma niche. Oh, non, ok. Il va vous frotter. Mais allez, 30 minutes, ok. Max, max! Pendant ce temps-là, vous êtes, je finis de me confier avant de rentrer, mais on est arrivé à The Beauty Room by Natasha and Ashish Raghuba. C'est make-up artist, and my make-up artist plus connu, Ashish. Et Natasha, c'est vraiment la professionnelle qui va vous faire des ongles comme jamais. Du coup, je suis venue me faire une petite beauté ici. Et puis pour aller à notre prochain rendez-vous qui sera bien particulier. Tiens, ça là, vous avez fini avant de rentrer là-bas là. Trop chic, je ne peux pas rentrer ça avec ça. Tu vas bien? Ça va. Correct. Alors Ashish, qui est d'une beauté extraordinaire tout le temps, avec un look on fleek all the time. Mais si déjà, j'ai partagé mon micro avec toi. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Bonne Paris, vous te faites moi une petite beauté là. Yes, of course. Tu vois qu'il y a beaucoup de travail? Non, pas vraiment. Il ment tout le temps, faut te faire plaisir. Non, ok, on est rentré dans le beauty room d'Ashish et de Natasha qui est ouvert. Ah, il fait mon micro loin. On est à The Beauty Room de Ashish et Natasha et c'est ouvert depuis presque un an maintenant. Si tu as envie de faire des œufs belles, de toutes les façons en fait, manicure, pédicure, make-up aussi. Make-up et cheveux et massage, tout, facial, tout. Oh là là, franchement, The Beauty Place in Flac alors. C'est sûr. Allez, nous parler de make-up. Où est-ce qu'on se met, dis-moi? Ici. Ashish, une part et tout, en place. Une part et tout, en place là même. Okay. Oh là là, la magie commence. Ashish, depuis combien de temps tu es make-up artiste? Déjà 15 ans, je crois. 15 ans? Ouais. Tu as quel âge? 24. C'est petit, ça. J'ai commencé. Ouais, tu es rentré dans le monde du make-up. Exactement. Waouh! 24 ans, si jeune et si talentueux vous êtes. Aïe, si vous êtes en vie, je sais pas moi, des fois on ne sait pas trop comment se maquiller pour un mariage, une soirée, etc. Moi, je me maquille plusieurs fois pour mes soirées MC où j'ai besoin d'animer une grande soirée, une conférence, etc. Donc c'est vraiment un professionnel. Et vous allez ressortir de là, mais toute belle. Et ça fait tellement de bien, en fait, de se laisser pamper un peu. Pas dis-moi, à cause de mon moustache. Et que mon sourcil. Ashish, je suppose, tu te dis, oh my god. Non, jamais. Il parle plus de son moustache. Et il parle plus de son. Je n'ai pas de miroir devant moi là, du coup je ne sais pas du tout à quoi je ressemble. Ou si je, comme s'il me commence à enzer là, me regarde. Oui. Me regarde de biche, je ne sais pas. Ah, je me prends une super patience. Il m'a dit, mais on ne doit pas trop tarder ça moi là, hein, comme si. Donc tu vas faire ça vite, vite là. Comment faire un bon travail vite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Ashish Stupka faire Hamazik là. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance aux professionnels. Est-ce que c'est bizarre qu'on peut ouvrir NC à côté d'Isier? Ok, je vais arrêter. À chaque fois qu'il y a une personne qui passe devant The Beauty Room ici-là, on peut dire, ah, c'est Christophe qui devrait venir. Non, on ne sait pas si c'est perdu à flag, qu'il peut faire une rodée de linge, mais on ne sait pas. On ne sait pas où il est. Vous pensez, Ashish arrive un petit peu plus qu'il halfway et que mon visage a commencé à changer. Presque terminé. Ah, presque terminé. Que
Ma voix quand tu t'es beauty d'une réussite. Ah bah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais essayer de ne pas parler trop. Mais Christophe, tu as... Combien de trucs tu as acheté? Mais je ne pouvais pas acheter un seul truc. Maintenant, on y est tout matché. Donc, si mon acheté un service, mon pénal, on y est tout matché. Donc, j'ai acheté un pantalon. Tu pénal, on y est tout matché. Tu as acheté soulier. Acheté soulier. Là, moi, je dirais, si au cas où, je n'ai pas content soulier là, moi, c'était un deuxième soulier. Et là, mon acheté deux. Non, deux chaussures, un pantalon avec un service. Et Primary Bouta, 2000 roupies, j'ai eu tout ça. Hé, hey, flac ici. Hein? Ici, c'est le best. 2000 roupies, mon gars, tu vois là. Non, 2000 roupies, j'ai eu tout ça. Là. Oui, mon gars, chemise, pantalon avec des souliers. Hein? 2000 roupies. Archie, je te confirme. Mais on m'a dit, flac, c'est un endroit top shopping. Oui, c'est sûr. Mais en même temps aussi, elle adore, il fait un mari discount pour moi. Moi, je vais faire une story pour lui. Ouais, j'ai un deal. Mais arrivé là, nous disait Christophe, il paye. Dites tout, dis-moi, nous bêtons pas. Il me disait, hey, Christophe, ah, non, pas lis ça, etc. Attends, fais ton glow up maintenant. Là. Mets tes vêtements, tout ça. Alors, tu as fait tout un seul côté ici même. Ouais, rapidos, on va s'habiller. Donc, moi aussi. Tu peux déjà t'habiller si tu veux. À la très bon travail. Les pères ressemblent à Jimmy Nastel. Merci. Mais tu connais ta chiche. Il n'y a pas ça, tiens, de là, de toute façon, tu peux ressembler plus que Jimmy. Alors ça donne quoi? Bon pas connu là, bon couteau moi là, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi tu as envie de dormir pendant qu'il y a un stupé maquillé moi. Motivé, gentiment marié, en mode relax, et c'est bon de se faire maquiller. Mais si Ashish. Ouais, hein. Attends, nous étions avant de nous étendre. Ok. Attends, je regarde d'abord. Tu sais quand tu as fait un joli make-up et que tu te dis que tu as besoin de tes outils là, parce que tu te peinasses un make-up là tous les jours. Mais là, je suis retourner à casa après un tournage. Mais il faut que je saute là. Je vais mettre ça en avant. Soit tu vas faire tout selfie que tu es capable. Tu sans linge, mais selfie. En tout cas, merci à Ashish qui m'a maquillée aujourd'hui. Et il a fait ça super rapidement. Regardez le résultat. Et des doigts de fée comme d'habitude. Natacha ici peut faire son petit manicure, Ashish peut faire son petit make-up, à savoir que the beauty room est ouvert tous les jours, vous êtes de 9h à 5h du lundi au samedi et le dimanche c'est ouvert jusqu'à 3h, 9h à 3h. Ongles, cheveux, make-up et bien sûr Ashish, lui fait aussi plein de mariage, il fait d'autres événements si vous avez besoin d'un joli make-up pour votre soirée, etc. Le moment fatidique est arrivé, on va se changer, on se retrouve juste après. Allez. Natacha, vous êtes. En tout cas, nous sommes très contents de nous passer un bon petit moment. Archie, je commence à dire bien maquillé, moi. Et ça lui fait beaucoup des odes. Beaucoup tapas aussi. Beaucoup tapas. Dans un salon, tu connais que d'habitude, tu n'es pas trop causé, etc. Mais moi, j'étais. Comme ça. Mais il a. Mais Christophe a pu trouver son look à flac, 100% flac là. 2000 roupies. 2000 roupies, non, allez. Tu dis, moi, vous avez côté de guerre, comment dire. Non, magasin là, tu es traité. Hein. Mais il magasin là, moi. Si vous vous posez la question, ben pourquoi on s'est fait aussi beau, pourquoi on a changé de look pour un stiletto, on a rendez-vous dans un endroit très très spécial au nord. Elle me dit, c'est passé. Au nord, on ne va pas vous dire que ça nous peut aller. On vous réserve la surprise. Viens avec nous. Parce que moi aussi, je ne sais pas. Hein. Il ne sait pas. Donc voilà, surprise. Let's go and see. Let's go. Ben décidément, où tu nous emmènes, Estelle? Tu nous fais quatre tours, Maurice. Oui. Rivière du Rempart, Flac, Belmont, et là... Elle longue les tours, ça. Elle longue les tours, mais un dernier, je dis longue les tours. On est arrivé à Grand B, vous êtes. À cause de nous chic-chic comme ça, joli garçon, jolie fille et tout. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé chez Maison Luxe. On est arrivé, pas encore arrivé, de l'autre côté là-bas. Juste à côté. Maison Luxe de chez Luxe de Grand B. Et ben, on va découvrir tout de suite ce bel endroit et surtout
manger des choses extraordinaires. Mmh. Bon, allez. C'est nos mots, on y va. Hello. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Voilà, petit lounge que pour nous. Merci. Ouh là là. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de prévu, Estelle, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a la chef Marie qui va nous proposer, en fait, des délicacies. Vraiment à sa sauce, quoi. Elle a vraiment sa touche à elle et elle est très, très réputée, justement. On est chez Maison Lux. Donc là, vous savez que c'est du luxe, quoi, dans l'assiette. C'est vraiment ça. On a hâte de goûter, de la rencontrer. On voit qu'elle travaille déjà là-bas. On ira voir un petit peu ce qu'elle prépare dans quelques minutes. Déjà, allons profiter de ce bel endroit. J'ai l'impression d'être... C'est pas qu'une impression. C'est pas qu'une impression. Tu y es. OK, on y est. On y est. C'est le luxe. OK. Chef Marie qui est juste de ce côté et qui nous attend déjà. Bonjour Marie. Bonjour Estelle, bonjour Christophe. Comment allez-vous? Ah ben très bien. Je suis ravie de vous accueillir. Ben, ravie d'être là aussi. On a entendu que de belles choses sur Maison Lux. D'accord, et, merci. De tes pâtisseries également, donc on a hâte de goûter aujourd'hui. Mais j'espère que la promesse sera tenue. Oui, alors on espère. Est-ce qu'on peut prendre place et voir un petit peu ta préparation? Je vous en prie. Super. Très bien. Donc Estelle et Christophe, pour commencer cette dégustation de pâtisserie, je vous propose un petit cornet caramélisé donc au muscovado de l'île Maurice avec un sorbet à la roselle. On est en pleine saison de la roselle. Cette année, la roselle se fait finalement assez rare. On l'utilise donc soit en boisson, soit en sorbet. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un produit qui est souvent un peu oublié, je dirais, des Mauriciens. Ouais. Et donc, on en fait soit des confitures ou des petites infusions pour nos sorbets. Ouais. Mmh. Alors, vous allez voir, donc pour commencer, je dirais, cette dégustation. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis? Des petits pétales de fleurs séchées. Eh bien, merci. On y va direct. Ah, moi, je vais faire comme vous, alors. Je vais goûter. C'est toujours... Avec Chine. Oh là là. On a gardé dans le sorbet un peu de mâche. On retrouve en fait les pétales de fleurs à l'intérieur. Mm-hmm. Je trouve que c'est aussi très très intéressant. Effectivement, c'est super rafraîchissant. Bien installé, on a reçu nos gâteaux et les boissons déjà depuis quelques minutes. Christophe, qu'est-ce que tu as reçu toi? J'ai eu un frappé au chocolat avec du café. Et une grosse boule de glace en et une attention. Grosse boule de glace. Moi j'ai eu un mochaccino qui est tout joli avec une petite feuille dessinée, etc. Les gars sont ici. Les gars sont ici. Chocolat, il y a une autre boisson qui arrive pour les garçons. Venez un petit peu près. Regardez ça, regardez-moi ce chocolat chaud comme c'est trop mignon. Maintenant, reculez, parce qu'il est l'heure de on va déguster. Manger maintenant. On va manger. Bon, on a trois pâtisseries chacun. Mm-hmm. Et celle-là a décidé de partager. Oui. Avec Chalem. Chalem va prendre le dessert qui est fait avec goyave de Chine. Et Christophe, toi, tu vas partager quoi? Qui n'aime pas partager? Qui te vous partager? Allez, dis maintenant tout de suite. Avec ces framboises au calme. Framboise locale. Avec Manish. J'ai partagé ça avec Manish. Avec beaucoup d'amour. Attends, on n'a pas encore goûté là. Peut-être qu'on va goûter. On va dire non, mais finalement, on ne partage pas, les gars. Désolé. C'est exactement ce qui va arriver, vous autres. Allez, on y va. On y va. Allez, ok. Moi, je vais goûter ça en premier. Le badamier? Ouais, le badamier en premier. Super. Mais déjà, le look, tu as l'impression que c'est une petite sculpture et que tu ne veux pas casser. Ah. Tu ne veux pas la casser du tout. Tu veux que ça reste comme ça. Tu veux faire une jolie photo. C'est magnifique. On y va?
Let's go. Il y a des signes pour toi? Bien sûr. Allez, go. Je pense c'est que super, il faut que tu ailles directement au cœur du coquillage. En directement au cœur du coquillage. Je pense que tu vas vraiment trouver le praliné au badamier au cœur du coquillage. Oh là là. Ah, ah, maintenant je vois qu'il y a quelque chose au milieu. Ok. This is so gorgeous. C'est la première fois que je mange un gâteau avec de la goyave de Chine. De la confiture, c'est autre chose. Mais la première fois que je mange un gâteau avec de. Avec goyave de Chine, ça me déstabilise. Non, c'est... parce que c'est maribon. C'est maribon. Il n'y a pas que ça à l'intérieur, j'ai l'impression. Il y a un coulis, il y a quelque chose. Alors, y a, en fait, il y a différentes textures. Dans le fond de ma tartelette, il y a une crème d'amande dans laquelle on a mis aussi des goyaves de Chine et on fait cuire le tout ensemble. Ouais. Ensuite, on rajoute on coupe de la goyave de Chine fraîche en petits cubes pour avoir le côté fraîcheur. Et sur le dessus, en fait, il y a une compote de goyave de Chine dans laquelle on a enlevé tous les pépins pour avoir quelque chose de très soyeux. Voilà. Qu'est-ce que tu veux partager ça avec, avec Chalem? J'ai envie de goûter le tien maintenant. Parce que l'autre, c'est pour Chalem. Mais je vais goûter le mien aussi. Mais moi, j'adore. Chalem, viens voir. Viens voir ce qui se passe au milieu ici. Dans le dessert au badamier. C'est super bon. La crème que tu as autour, en fait, est tellement légère. Mm-hmm. C'est limite... Bah, c'est aérien, en fait. Je ne sais pas quel autre mot utiliser pour ça. Et au milieu... Est-ce que ça te rappelle les nougatines, alors? Oui, mais complètement. Le goût, complètement, tu vois. Complètement le goût. Tu ne nous as pas vendu du rêve. C'est la réalité, là. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est bon. Oups. Oh là. Tu fais du dessert à Maison Luxe. Genre... Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, c'est vraiment super bon. C'est trop bon. Je tiens à préciser que Maison Luxe est ouvert aussi à tous ceux qui veulent venir prendre un café, venir prendre un milkshake, une petite boisson chaude. Ah, c'est pas uniquement pour les clients. C'est pas uniquement pour les clients de l'hôtel, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde, donc venez déguster une petite pâtisserie, une petite création de la chef Marie. Oui, exactement, et 100% local avec des ingrédients. 100% local, vous êtes prêts. Ah, oh, c'est super bon. Ok, je dois garder un petit bout pour toi, alors. Non. Non? Je vais juste envoyer ma pochette. Avec ok, Christophe, je suis pas en train de prendre un gros bout, là. Avec plus d'amour et de délicatesse, s'il te plaît. C'est trop beau, j'arrive pas. J'ai oublié la délicatesse. Ouais. Mais ça, là, goyave de Chine, là, c'est super bon. Deux goûts complètement différents, deux pâtisseries complètement différentes. Mais qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que quand vous êtes enfant, vous êtes content de manger nougatine? Vous êtes connu, là, ça petit crame-crame comme nous enfants, là, qui marie bon, qui nous a resté lentille à la boutique. Mais maintenant, imaginez le goût avec une crème. Tu comprends tellement le mot léger, aérien, comme que j'ai utilisé plus tôt. Oui. C'est je ne sais pas ça. Si tu as inventé ce mot. J'aurais dit aéré. Aérien, ça vole. Mais bon. C'est pas grave, tu comprends. Tu as compris. Mais c'est super méga léger et tellement rempli, packed with flavors. Tasteful. Vraiment, comme s'il y a beaucoup de goût en fait. Et c'est top, top, top. Marie, on veut juste savoir, vous êtes. On a compris que vous étiez ouvert en fait à tous ici. Oui, exactement. Mais vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, nos pâtisseries fraîches sont installées dans la vitrine aux alentours de 10h, 10h30. Mm-hmm. Ouais. Ensuite, jusqu'à 18h, 18h30. Voilà. On peut aussi faire des commandes. On va bientôt avoir un catalogue en ligne avec toutes nos références de pâtisseries. Alors, forcément, il y a des pâtisseries qui sont plus saisonnières que d'autres. Et puis, on a aussi les intemporels qu'on pourra retrouver tout au long de l'année. Merci pour l'accueil, merci pour les gâteaux. Merci pour ton sourire. Merci pour votre visite. Et puis, j'étais très ravie de pouvoir vous rencontrer. C'était une vraie expérience, en fait, d'écouter un petit peu l'histoire de toutes tes pâtisseries, etc. Et de voir à quel point tu es passionnée par ton métier. Ah, vraiment, oui. C'est, tu partages ton amour, en fait. Exact. Mais c'est mon amour de Maurice. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes pendant ces jours de congé, elle peut chercher des ingrédients, elle peut chercher des trucs vraiment typiques, local, ouais. Pour pouvoir qui mettre... Qui fait ça? Qui prend de son temps passé pour faire ça? Chapeau à toi, merci vraiment, chef. Vraiment. Merci, chef. Merci à beaucoup, vous. Chef. Merci beaucoup, Estelle. Merci, Christophe. Merci. À très bientôt. On continue à manger, moi. Allô,
Je suis vraiment désolé. Il y a trois assiettes devant Christophe et l'assiette de cookies là. Il a quitté un petit bout pour moi par rapport à la pâtisserie qui est faite avec de la goyave de Chine. Badamier, il a tout mangé. Et puis, il a attaqué un autre dessert, comme si qui est la tartelette à framboise locale, etc. Sauf que c'était pas pour lui. Il devait gagner ça pour Maniche. J'ai oublié. Et c'était trop bon. Tu peux pas manger une seule bouchée. Merci. Get Maniche, Sophie Gaman. Il est déçu. Déçu. Par contre, moi, je tiens à préciser que Roger Chalem, comme il est en train de déguster son gâteau, regarde. Je me sens mal maintenant. Mais tu as entièrement pas raison de te sentir mal. Maniche, si tu prends pas ce truc-là, moi, je vais continuer, je vais manger le truc en entier. Non, mais lâche la fourchette. Déjà, lâche la fourchette. Laisse la fourchette pour Maniche, OK? Assez. Prends ta boisson maintenant. Allez, on continue à déguster. Et t'as un pauvre Maniche qui mange son un col. Excuse-moi. C'est pas chic, quoi. J'ai oublié. Je veux goûter. Laisse. Alors, attendez là. Maniche n'a pas eu son gâteau. Parce que Christophe a mangé. Si, mon gars, goûte. Du coup, l'équipe nous a proposé, voilà, est-ce que vous voulez un autre gâteau? Et on a dit, oui, pour Maniche, oui. Et là, il a eu un gâteau à la papaye, c'est ça? Ouais. On va goûter un petit coup là. Avec Twitch Cause. Dans la caméra. C'est allumé? Mais oui. Mmh. Ah, comment ça? C'est qui plaisante? Non. Je comprends pas comment ces crèmes là sont aussi légères et comment les biscuits aussi craquants et bons. J'aurais tellement aimé manger, mais après je dois avoir des reproches. En même temps, tu as mangé trois gâteaux. Deux et demi, allez. À Maison Luxe qui nous a reçus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a bien mangé? Reçus comme des rois. Merci pour l'accueil, merci pour le sourire de la chef Marie, etc. Ah oui, on s'est régalé. On veut absolument revenir. Une émission prête pour finir, me sentir, on dirait un petit chose de moule à voix comme ça. Moi, je propose qu'on aille un petit coup à la plage, comme ça on peut se poser. On cause un petit peu après. Comme après, ça là bye bye. On sera comme ça à la plage. Hein? Ben écoute, on habite à la place avec jean, tennis, tout ça. Pourquoi pas tabou et robe et chaussures classiques? Allez, moi, non, je allez. Dis let's go. En fait, à la plage de la Cube, tu prends les lampes pour causer là. Ouais, tu me coupes moi. Correct, ça, mon habitué après 3 ans, mon habitué. On se retrouve à la plage de la Cuvette, où c'est juste magnifique parce qu'on voit le début de coucher de soleil. Enfin, notre soleil fait comment on se dessine en fait. Ouais. Il est 5h10. On a commencé notre journée à 7h du matin. Oui, Christophe est arrivé à 7h, il est arrivé beaucoup plus tôt. Nous, 7h30, Maniche un petit peu plus tard aussi, il nous a rejoint et tout. Et donc, ouais, c'était une longue journée avec beaucoup de choses. On dirait qu'on fait plusieurs émissions en une seule émission. On s'est fait plaisir dans ce truc-là. Ouais, je pense, ouais. On est vraiment parti dans tous les sens, mais on s'est fait plaisir et tout. Donc, vous m'espérez que vous êtes content. Aïe, ah, me sentienne l'émotion remonter, là, c'est pas bon. Eh ben. Wangela, moi, vous savez pas, vous. Ouais, je ne pas connais Stéphane. Je pleure beaucoup. Comment maman me connaît. Alors, donc, un petit tour. Je vais dire, pour le moment, ça va faire une grande pause. On ne sait pas si on va continuer à l'international, nous va connaître what the future holds. Mais on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, eh ben, j'aurais aimé remercier que ce soit la direction, Denis Adolphe et surtout ces deux garçons devant moi là, Maniche Sam et comment t'appelles l'état?
Chalem. Là, tu me disais qu'à ça, les émotions, là. Chalem Kinapen. Mais c'est à vous deux, parce que sans vous, ben, nous capables causer, nous capables faire un tas devant caméra. Mais sans The D, eh ben, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'émission, en fait. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de magie. Et merci énormément pour The Dedication. C'est un gros travail aussi parce que souvent on tourne le lundi et l'émission sort le lendemain et c'est un gros travail de montage, de patience aussi, aller chercher les images, les bonnes images, les bons takes, etc. Donc vraiment c'est un gros travail et pendant presque 3 ans, ça va de gosse, on a fait ce travail là vous êtes. Et vous pensez beaucoup d'immunité appréciée parce qu'on voit aussi les commentaires genre ouais. « Hé, hey, sa transition là, tu m'arrives sérieux, hé, au montage, ça tu m'arrives top, etc. » C'était un joli travail, franchement bravo. Et merci à toi, Estelle, parce que je ne trouve pas un lot du monde à part toi. Tu ne pourras pas faire cette émission là ensemble avec moi, parce qu'on a une longue amitié, on s'entend super méga bien. Et I didn't wish to have another team. Oh. Yep. Attends, mon vie causée, mais vous m'avez capable. Causée, fille. Mais tu connais ça, tu. Mais tu connais ça, c'est pour arriver. Je voulais commencer en premier. Attends. Je voulais commencer en premier. Après, je me suis dit, bah, Christophe, va pas aller en deuxième. Aïe, j'arrive pas à causer quand je pleure. Allez, vas-y. Allez. Je me rappelle quand Christophe m'avait contacté au tout début. Je me suis dit, ah, mais ça va être marre cool, etc. Je pensais plus le côté aventure, le côté découverte de Maurice et tout. Mais c'est vrai que ça nous a marré de tous rapprocher. Je pense qu'on est une petite famille. Tous les lundis, on savait qu'on avait rendez-vous. On s'envoyait peut-être 2-3 messages la veille ou l'avant-veille pour se dire, ah ben voilà, on va se rencontrer tel jour, tel programme. Chacun son tour faisait le programme, on donnait des idées, etc. C'était aussi un potage, en fait, un stiletto, un potage entre nous quatre, un potage avec vous aussi, vous qui nous regardez. On a reçu tellement d'amour, en fait, pendant ces 2 ans et demi, presque 3 ans, etc. Vraiment, ça a été une déferlante d'amour. Oui. Je ne sais pas comment expliquer, entre les vidéos et qu'on le reçoit, aussi. Le support, les gens qui nous envoient des vidéos à Maurice ou à l'étranger, des enfants qui sont en train de danser sur le générique d'Anne Stiletto, d'autres qui nous disent, mais nos enfants n'arrêtent pas de regarder, ils sont obsédés, vous êtes, etc. Certains qui nous ont remercié aussi de faire vivre, en fait, l'expérience mauricienne, mais à travers leur téléphone, alors qu'ils sont dans le froid, peut-être au Canada ou ailleurs, etc., de reconnecter avec leurs racines mauriciennes. Et je dois dire que peut-être Ben Dimoun peut dire, mais ok, Christophe peut aller, mais pourquoi est-ce qu'on continue pas l'émission, nous? C'était le bébé de Christophe, en fait, Anne Stiletto. C'était son idée à lui, etc. Et comme j'aime bien le dire, ben Christophe, c'est Batman et moi, je suis Robin. On ne va pas faire l'émission sans Batman et Robin. D'ailleurs, on a déjà fait le test de remplacer Christophe, etc. Ça ne passait pas du tout. Et beaucoup de personnes nous ont dit, d'ailleurs, mais c'est le duo qui moche, on aime bien vous voir ensemble, etc. On ne va pas faire Anne Stiletto sans Christophe. C'est vraiment l'essence même de cette émission-là. Tu as porté cette émission-là avec tellement de bonne humeur, de fou rire. Et nous, on sait que Christophe, par exemple, il n'est pas de bonne humeur tout le temps. Des fois, il est triste, des fois, peut-être il est en colère, il n'est pas de bonne humeur, etc. Mais pour vous, vraiment, il gardait tout le temps le sourire, en fait, en essayant de partager avec vous ce que nous, on vivait. Et que vraiment, ça nous a fait chaud au cœur de partager tous ces moments avec toi. Et on est triste, en fait, que cette émission s'arrête. Mais on ne va pas continuer, en tout cas, l'émission maintenant sans toi ou te remplacer, etc. Ne vous inquiétez pas, Chalem, Annie chez moi, bien sûr, on reste sur One TV pour d'autres aventures et tout. Et on te souhaite tout le meilleur, mais vraiment, tu le mérites. Merci. You're so, so talented. Et ton talent mérite d'aller, voilà, moi, me disais de l'autre côté, dis-le. Tu es quelqu'un de tellement généreux, gentil, etc. Et tu as quand même l'amour des gens. Tu partages avec les gens, etc. Pas tout le monde. Oui, allez, pas tout le monde peut-être. Non, il dit ça, mais en vrai. Salut! Non, compétons 10 000 qui nous connaissent, qu'est-ce qu'il a pas. Il y a vraiment l'amour, en fait, des gens. Toi, tu penses que non, mais si, comme je vous ai dit, des fois, il n'est pas de bonne humeur, etc., mais il va toujours prendre le temps de prendre des photos quand les gens l'arrêtent, de dire un merci, de causer, d'être gentil, etc. Et. Caillou, c'est.
Il y a beaucoup d'émotions en fait. Là. Nous comptons pour Christophe parce qu'il peut aller, pour le nouveau aventure, nous Marie comptons pour nos camarades qui peut aller, nous Sagré parce que nos camarades et collègues aussi peut aller. Aussi, bah, l'émission s'arrête. Le potage va continuer différemment, d'autres manières peut-être, projets, d'autres ouais. projets, etc. Et on essaiera de vous faire vivre d'autres aventures à travers bah, d'autres belles images. On espère que vous avez aimé Antileto. Ouais. Ça a été une très très belle aventure. Ne soyez pas trop tristes. Vous connaissez une débit pleurer en sa voix, nous, là, ma voix est en train de faire ça, en fait. Non, pas pour montrer ma niche, parce que ma niche est un wreck à côté, là. On m'avait dit ça, tu as vu le news show, comme si les gars sont pleurés et tout. Je me suis dit, aïe, j'appréhende l'émission de lundi, là, j'ai pas envie, etc. Détester pleurer devant Dibout, mais voilà, on pleure devant la terre entière maintenant. En tout cas, merci pour tout l'amour. Mais Jazut nous poussons dans d'autres circonstances. Oui. Et on va vous laisser comme ça quand même. Oui, nous poussons nous dans d'autres circonstances. Take care of yourself. Prenez bien soin de vous et des autres surtout. Prenez soin de votre famille. Ouais. N'oubliez pas de partager. Je connais un petit leto. C'est nous, nous pas par les affaires avec eux, mais nous espérons qu'ils eux aussi, eux, pour prendre les temps durant ce moment de libre en week-end. Prenez vos enfants, votre famille, vos parents. Life is too short. Go discover Mauritius, please. Il y a tellement de beaux endroits dans notre pays. Prenez le temps de visiter Maurice et de continuer à partager peut-être les belles images de Maurice avec le monde entier à travers vos images sur les réseaux peut-être. C'était le closing le plus long du monde. Oui. Nous pas des gars finis parce qu'ils nous connaissent quand nous vous disons, on sait quand on va dire cut là, ce sera ça le dernier cut. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Et encore une fois, nous extra contents zut, continuez pas tant d'amour. Merci Estelle. Merci Christophe, tu as merci été un acolyte. Vraiment extraordinaire. Mais c'est agréable si mon camarade peut aller aussi. Mais tu as un acolyte vraiment extraordinaire et un accompagnateur de choix. Tu aurais pu choisir n'importe qui d'autre pour faire cette émission-là avec toi. Je suis contente que le choix s'est porté sur moi. Je serais fière d'avoir été avec toi sur cette émission-là, avec Maniche Salem et tout. Et ah, il a nulé qu'un gros. Assez, assez. Nous avons pleuré off-camera. Non, bras zut. Allez, à la prochaine dans d'autres circonstances. Gros bisous.